Alex. Bonjour. Bon, eh bien, écoutez, voilà, après une semaine sans voir ma tête, eh bien, voilà, nous revoilà. Donc aujourd'hui, c'est un hors-série, puisqu'on ne va pas être sur les chemins de randonnée. On va vous emmener avec nous à la Fête des Lumières à Lyon. Il y a une petite originalité, en fait, on n'y va pas. Donc là, on est garé à Aix-les-Bains, en Savoie. Et donc, on va prendre un train avec l'association AP. Alors, excusez-moi, je regarde mes petites notes parce que je n'ai pas forcément tout retenu. Là, l'association APMFS. Et en fait, c'est une association pour la préservation du matériel savoyard, matériel ferroviaire savoyard. Donc, en fait, ils récupèrent petit à petit, depuis 20 ans, les trains que la SNCF leur donne. Donc, et c'est des anciens trains que des bénévoles, en fait, entretiennent. Et donc, eh bien, en fait, on prend le train à Aix et on part dans un train des années 70 jusqu'à la gare de Lyon-Perrache. Voilà, donc on va vous faire partager cette petite aventure du jour. Alors, je dis du jour, pas forcément, puisqu'on reprend le train à minuit ce soir pour arriver vers 2h moins le quart à Aix-les-Bains. Et ensuite, ben, on a une petite demi-heure de route pour rentrer à la maison. Donc voilà, on est plutôt couche-tôt. Donc, ça va être un vrai défi pour nous. C'est pire que les chemins de randonnée. Voilà, donc ben, on vous embarque avec nous dans cette aventure. On va essayer de vous faire partager cette fête des Lumières. En tout cas, pour ma part, je crois que pour Fabrice, c'est pareil. Ah bah oui. Je ne l'ai jamais vue, cette fête des Lumières. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti! Bon, eh bien, écoutez, nous voilà en plein centre de Lyon. Il n'y a personne, comme vous pouvez voir. Donc voilà, bon, je connais absolument pas cette ville, Fabrice non plus, donc on va essayer de se retrouver. Donc là, on remonte la rue Carnot depuis Lyon-Perrache. Et je voulais juste vous faire une petite histoire en fait de la fête des Lumières. Donc en fait, c'est en 1850, il y avait eu une statue de la Vierge qui avait été commandée. Et en 1852, le 8 septembre, il devait avoir en fait une inauguration qui en fait n'a pas pu avoir lieu à cause d'une crue de la Saône. Donc ils ont décalé en fait l'inauguration donc au 8 décembre. Et en fait, le 8 décembre, ils ont cru qu'ils allaient devoir l'annuler et finalement le temps s'est dégagé à temps. Et du coup, pour fêter ça, tous les Lyonnais ont mis une bougie sur leurs fenêtres. Et du coup, bah, de là est née la fête des Lumières, et donc c'est la fête de la Sainte Vierge, puisque la statue, c'était la Sainte Vierge, en fait, qui est sur Fourvière. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va continuer à remonter les rues. Donc, de toute façon, les illuminations ne commencent pas avant 19h. Donc, voilà, vous voyez, il y a pas mal de monde. Mais bon, écoutez, hein, c'est l'eau. C'est vrai que ça change des chemins de randonnée. Et on va pas mal marcher, hein, Fabrice? Bah oui, on va. Je pense qu'on va pas mal déambuler puisqu'on n'a absolument pas prévu de prendre le métro. Donc c'est tout à pied. Mais en bon randonneur qu'on est, on va s'en sortir. Allez, à tout à l'heure. C'est bien, c'est vraiment bien. Mais t'en fais depuis longtemps?
Eh bien, voilà, il est 2h30 du matin. Grave. J'aime pas bien me coucher si tard, mais bon, c'était pour la bonne cause. Écoutez, voilà, je sais pas ce qu'en a pensé Fabrice. Oh, c'était super. C'était, ah, c'était une très belle fête. Voilà, bon, y a des choses bon, qu'on a plus aimées que d'autres, voilà, mais il y a quelques animations qui étaient vraiment très sympas. Donc, j'espère que ça vous a plu. Le grand mix du musée. Donc ben, j'ai pu vous mettre que 20 secondes parce qu'en fait il y a de la musique, que YouTube va pas me permettre de mettre en ligne. Donc ben, je vous mettrai le lien sous la chaîne de ma chaîne Compostelle et compagnie puisque j'ai déjà partagé l'animation de 8 minutes sur la page, comme ça vous pourrez la voir quand même. Voilà. Eh bien écoutez, on a quand même fait, je pense en tout, parce qu'après on a dû marcher pour aller jusqu'à la gare d'Aix, on a bien dû faire 17-18 km. Avec un petit 2 degrés, on s'est un petit peu caillé. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu un hors-série aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je pense retourner sur les chemins. Oui, merci. Je pense retourner sur les chemins. Parce que voilà, la ville, c'est très chouette. Mais voilà, la nature, ça reste pour moi quand même le plus beau des spectacles. Donc bah, vivement que je retrouve le chemin. Et voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette fête vous a plu. Allez, on va vite au dodo, nous, et puis je m'occuperai de la vidéo demain, quand je serai réveillée. Allez, à bientôt! À bientôt, et on est en demi-finale. On est en demi-finale, oui, on a eu de l'animation dans Lyon pour ça. Allez, à bientôt!